J'ai vécu sans papier pendant quasiment 16 ans et au quotidien, c'était parfois compliqué. Parfois, ça passait sans problème, mais la plupart du temps, compliqué pour se loger, pour beaucoup de choses, pour un abonnement téléphonique, pour avoir un véhicule, pour voyager. On est un peu fermé, hein, on n'a pas le droit vraiment de quitter le territoire pour éviter ces contrôles douaniers. Donc c'est un peu gênant, c'est un peu, on sent un peu rabaissé, un peu humilié. Ça change beaucoup, c'est une autre vie qui commence, c'est une vie dans toute régularité, c'est une vie plus tranquille. Après, voilà, on a toujours été employé, on a toujours eu nos salaires. Par contre, beaucoup de choses, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de permis. Maintenant, on peut penser à avoir un appartement, un chez nous, hein, à notre nom. Truc tout simple, mais voir son nom sur une boîte aux lettres, ça fait un effet quand vous avez vécu pendant 16 ans un peu à gauche, à droite et que peut-être il allait falloir quitter l'appartement 1, 2, 6 mois après. Donc au quotidien, c'est plus tranquille.